Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 19e épisode dans Let's Play sur Ayuden Chronicle Rising. Dans l'épisode précédent, on a fait énormément de quêtes annexes. Je sais plus si on a avancé dans la quête principale. En tout cas, il faut qu'on a encore deux petites quêtes annexes, et puis après il faut qu'on continue dans les ruines de glace. Donc maintenant on peut explorer d'autres zones. Donc là, j'ai encore deux petites quêtes dans les pics enneigés, et de toute façon, la suite de la quête principale se trouve dans les pics, dans le pic enneigé. Donc, on va continuer. Les monstres, ils me font plus grand-chose maintenant, donc. Alors on continue de se balader aussi dans le tumulus parce que j'ai besoin d'ailes de foudre. Pour les améliorations des items donc. Bon, je sais plus combien il m'en faut, mais il m'en fallait quelques-unes d'ailes de foudre. J'ai deux chemins, j'ai deux, j'en ai un en bas. Des petits légumes sauvages. Oui, maintenant je peux faire 4 attaques de lien parce que bah, on a débloqué nos 80. On a fini nos 80 tampons. Donc maintenant on a encore une nouvelle carte de 50 tampons à compléter. On va aller voir s'il n'a pas laissé un objet, une cape de foudre, un truc comme ça. Veste de magie, vestige de magie de foudre, voilà, c'est. Toujours bien penser à bien récupérer les objets parce que des fois on galère, parce qu'il nous en manque quelques-uns. On galère. Après il faut qu'on retourne les récupérer mais. Aïe. C'est un peu dommage parce que. Je prends le dégât alors qu'il est mort. Idem ici. Aïe. 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 Est-ce que le cristal était vert ou est-ce qu'il était rouge? Il était vert. Et qui dit vert dit que je peux le casser. Minerai d'or. Ok. C'est un endroit de pêche.
Oh non! Minerai de bronze. Allez, let's go. Des gravats de golem. Je crois pas que j'en avais déjà jusqu'à présent. Là, ils m'ont pas donné de petites ailes les... Ouais, ça va me ramener juste au coffre, donc là on s'en moque. Un petit minerai de bronze. En tout cas, on a trouvé un minerai d'or. Je sais pas si ça me sera très très utile tout de suite, mais on a trouvé un minerai d'or au niveau du truc de pêche. Donc ce qui veut dire qu'on pourra sûrement en récupérer d'autres. Là, si on avait affronté un des golems avec le maire. Hop, direction la crête. Enfin, le pic enneigé crête. Parce que là, ce n'est pas la crête comme l'île. Hein. Faire préciser. C'est comme à un moment donné dans un des épisodes précédents, j'avais dit tiens, on va essayer de farmer un petit peu plus de peau de petites peaux pour les items. Et au final, on a eu raison d'en récupérer plus. Parce que le jeu en demandait plus. Enfin, on demandait pour améliorer des objets. Alors. On a galéré 200 fois alors que je pouvais déjà le faire depuis un moment.
Pas mal d'acrobatie par ici. Non, 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 non. Ah, et tout ça pour un truc que je peux pas y aller. Où je ne peux pas aller. Plutôt, c'est plus français. C'est pas ça que je voulais voir. Dommage. On a fait un peu tout ça pour rien, mais... On va revenir un petit peu en arrière pour être sûr de ne pas oublier, avoir oublié un truc. Toujours le côté on a vraiment rien oublié, on était là. Aïe. Y a une des quêtes qui est ici. Aïe. Piège légendaire. Ok. Donc il manque que le bâton. Il manque le bâton de berger. Enfin de magicien. Des petites peaux. Là, le loup blanc. Aïe. Aïe. Ça va être vers le sommet, le bâton de magicien sûrement, ou sinon c'est derrière le, le truc rouge qu'on n'a pas réussi à explorer. Déjà on va faire une sauvegarde. Comme ça, on va revenir en arrière. Chaque fois j'appuie sur Y, mais non, c'est R se déplacer.
Un vil marchand, honneur de fouilleur. Vous avez monté CG au niveau 30. Ok. Vous avez monté Garou au niveau 30. Fragment unique, ok. Un minerai d'or. Donc là, dans pas longtemps, je vais avoir un autre succès de déverrouiller. Vous avez monté Isha au niveau 30. Donc ça, je peux pas encore. Cristal rouge, on ne peut pas. Pic enneigé, sommet. Désolé. Ok, bon, l'objet de quête, il est là. On va aller jusqu'au point de téléportation. Comme ça, je pense que mon inventaire sera quasiment plein en plus. On pourra améliorer nos capacités aussi. Aïe. Aïe. Aïe.
high. Double high, triple high. Encore high. Ok. Le piège est placé. En tout cas, on aura bien exploré les différentes zones pour avoir pour clôturer nos deux quêtes. Aile de glace, c'est pas mal. Veste de glace aussi. Magie de foudre, aile d'électricité, ouais, pas énormément, mais on en a eu. Alors, qui est-ce qui avait besoin Felipe, rue secondaire et quartier unique, Hilda. Je trouve un bâton, mais j'ignore s'il s'agit du bon. Oui, je crois que c'est le bon, je n'en reviens pas. Merci, tenez un tampon. Par ici la monnaie. Vous avez obtenu 100 000 baka. J'ai obtenu 100 000 mais il reste plus que 18 000. Enfin presque 19 000. Heureusement que j'ai amélioré mon sac pour avoir les 200. Pour le secondaire, ce sera plus simple. Je l'ai trouvé. Oui, c'est bien le piège légendaire dont j'ai entendu parler. Cela ne fait aucun doute. Je vais le démonter et utiliser ces nouvelles connaissances pour créer une canne à pêche légendaire. Et une pioche légendaire. Bon courage alors. Ne partez pas sans le tampon, ma petite dame. Petite amélioration du truc. Gain de niveau. Ah, il manque du bois d'ordure. À la limite, ouais, avec la nouvelle hache, ça peut-être me permettre de d'avoir du bois d'ordure maintenant en coupant les arbres. Ok. Allons voir mes améliorations. Ça après ça va, ça coûte pas si cher que ça. Bon, c'est 500 quand même à chaque fois, mais... Ah! Il faudra que je refarme de la foudre. Un peu de l'arnaque tout ça.
Bon, bah on va aller refarmer de la foudre. Menhir sur la ferme. C'est vrai, c'est plutôt des magiciens qu'il me faut. Mais bon, à la limite, les ailes de foudre, l'aile d'électricité, ça pourra peut-être me servir. Il me faudrait bien 3-4 tocs d'électricité, enfin un toc de vestige de foudre. Histoire 2. On va descendre histoire de récupérer éventuellement un minerai d'or à la pêche. Pop-up sacoche, non. Sac de ressources. Vestiges de magie de foot, j'en ai que 2. Vraiment, j'aimerais bien en avoir 4, éventuellement. Petit raccourci.
Ouais, pour le moment, les vestiges de foudre, on ne trouve pas, pas beaucoup. Bon, pendant ça, ça me fait de... Ça me fait des gains de niveau, hein, mais... Qu'un petit magicien par ici, s'il vous plaît. Pas m'envoyer de magicien. Allez, encore un petit magicien, ce serait pas mal. Eh ben non, il n'y a pas de magicien. Mais bon, au moins normalement j'ai de quoi quand même améliorer mon équipement. J'ai eu 4 vestes quand même. Enfin, 4 vestiges. Rue de l'étranger. C'est pas mal déjà niveau équipement, on a pas mal avancé. Au niveau des quêtes, il n'y a plus que la suite à faire. Sauf si bien entendu ils nous ont re-rempli le tableau avec plein de quêtes. Rien à voir ici. Et bah c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de nous reposer. Et on va sauvegarder et s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Je cherchais la sauvegarde, mais elle est là. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Eiyuden Chronicle Rising. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!